Coucou les louloutes et coucou les loulous. Alors, je viens vers vous pour une vidéo balle qui est un peu particulière parce que j'ai reçu aujourd'hui le colis de Carica. Alors, je vous explique un petit peu. Carica est une abonnée qui m'a envoyé un mail un jour en me disant « Tiens, est-ce que ça t'intéresse de la pâte Fimo, parce que voilà, j'en ai, je n'utilise plus. » Alors, je dis oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi en échange, etc. Enfin, bref, je reçois un autre mail me disant, écoute, j'ai oublié de mettre la petite carte dans ton colis, donc tu la recevras à part. J'ai reçu sa carte, enfin, son enveloppe, lundi. Et elle me marque, j'ai oublié de mettre le courrier dans le colis, bisous, à ouvrir quand tu reçois le paquet. Donc je ne l'ai pas ouvert, elle est toujours bien fermée. Alors je ne sais pas si je dois, si j'ai reçu le colis. Donc moi je m'attendais à 2-3 pains de pâte Fimo. Donc voici le colis que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, il fait 4,5 kg. Je suis... J'ai juste ouvert le bord, parce que, pour pas faire trop de bruit, et je suis déjà sous le choc. Alors Carica, comment te dire que je ne m'attendais absolument pas à ça, donc je ne l'ai pas encore déballé, on va le faire ensemble, et je pense que tu es complètement folle, hein, pour être gentille. Donc je vais d'abord ouvrir la carte de Carica. Ah oui, donc je suis avec Caitlin, ma petite fille, qui a son bras dans le plâtre. Oh non, là, de temps en temps, ben voilà. Alors. Oh, qu'elle est jolie. Quelle est jolie. Attends, tiens, je vais poser ça là. On va ouvrir. Bien emballé. Dans le bon sens, la rose. Donc voilà sa carte qui est très jolie. Je ne sais pas si vous allez avoir... Non, normalement, vous n'aurez pas de... Une superposition de papier. Alors je ne sais pas si le papier du dessous, mon petit pain, tu l'as fait toi-même. Quel... ah oui, j'ai oublié, chérie, je vais descendre tout de suite. Attends, c'est très joli. Oh, c'est quoi ça? En 3D, j'aime beaucoup. Alors je vais lire ton petit mot. Attends, ma puce. Mais regarde, j'ai mis un petit mot. Cela me fait très plaisir de te les offrir, car je ne m'intéresse. Je ne maîtrise pas encore cela. Ça fait que 6 mois que je scrappe. J'aime beaucoup tes vidéos, gros bisous. Parce que tu ne les maîtrises pas encore, mais tu vas peut-être un jour, pour comme les avoir refaites, tu vas peut-être un jour les maîtriser, la Fimo. Moi aussi, je ne fais que débuter. En tout cas, bon, c'est gentil. Tu veux que j'aille chercher ta tartine tout de suite? Ou tu patientes un peu? Tu vas patienter un petit peu. Donc voilà, j'ouvre donc le colis. Il y a une superbe affiche. Le printemps. Je vous ai poussé les magasins printemps. Qui est très 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 joli, qui peut faire un joli fond pour une création. Rien que ça, déjà c'est magnifique, super tandoori. Là, je vais m'en servir, c'est certain. Alors ben, on va plonger la main dans le paquet. Alors, oh là là, des œufs de Pâques. Waouh, moi aussi j'ai ça. Toi aussi t'as ça, chérie? Ils sont très 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 jolis, les œufs de Pâques, dans un beau pochon. Et tu sais, moi je les ai décorés avec Babsia. Avec Babsia. Maintenant ils sont dans mon panier de poule. Dans ton panier de poule. De Pâques.
un panier. Bon, le nœud est super bien fait. Donc, voilà, je vais vous les montrer de près. Ben, ça ira dans une boîte où il sera marqué Pâques. J'essaye maintenant de faire des boîtes par occasion. Merci, merci. Alors, oh, des jolies petites... Je ne connais pas bien le nom des fleurs, mais c'est du gypsophile, non? C'est possible. C'est très, très, très joli sur une créa. Ça, je le mettrais bien avec Pâques, parce que les œufs, ça peut donner très bien. Alors, oh, rien à voir avec la fimo, ma louloute. C'est quoi? C'est de la peinture. Voilà, la peinture de chez Action. Et j'ai un petit tampon avec le point d'interrogation. Comme un mystère. Comme un mystère. Comme ah ben oui, toi tiens. Des mystères. Toi tiens bien les mystères. Alors, on va aller. Ah. Hein? C'est quoi? De la pâte fimo jaune. Jaune? Moi, je vais faire mon aquarelle. Je vous dis, je plonge la main, je sors. Pâte fimo effect. Elle est argentée et pailletée, un petit peu pailletée, si je vois bien. Tu peux voir? Ah oui. Oui. J'ai plein de choses. La pâte fimo rose dans les dégradés de rose de chez Action. Alors, elle me dit, j'ai un peu de pâte fimo. Dans les tons de noir, brun chocolat, brun caramel et blanc de chez Action. Dans les tons verts. Mais pourquoi tu ne tu ne fais pas du tout de la Fimo Soft. Alors j'ai une gris très 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 claire et une jaune. Alors, deuxième comme ça, dans les tons noir chocolat. Alors, j'ai un petit sachet de pain. Bah, elle regarde vraiment toutes mes vidéos parce que ça, dans les jeunes, c'est juste parfait. Parfait, parfait. Regarde, j'ai trouvé mon truc. Ouais. La pâte fimo dans les tons bleus. Mais moi, je ne sais pas où est le ciseau. Attends, puis ça, je lis. Un morceau de papier cadeau pour Halloween. Tête de mort. Halloween. Ouais, ça c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack que tu chantes. Oh, tout plein de die cut, mais ça c'est thème Noël, j'ai l'impression. Il y a ma mère mis la mousse 3D. Je crois que tu... Ah mais non, c'est même pas... Oh, c'est très joli. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Des tournesols. Ben oui, des tournesols, ça c'est ta fleur favorite. Mais... Des potirons. Oh, c'est trop génial. C'est des citrouilles. Regardez les citrouilles décorées. Citrouilles. Oui, hein. Bon, on va faire un... Une boîte Halloween. Oh, ils sont beaux, ces petits écureuils. Petits hérissons. Que tu vas couper. Attends, chouchou, parce que là, je montre. Eh ben, dis donc. Ils sont juste magnifiques. Magnifique. Magnifique, magnifique. On va avoir une boîte Pâques, une boîte Halloween. Alors, la fimo argentée. Merci. Je ne sais pas quoi te dire, Carica, parce que dans les tons orange-jaune. Oh là 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 là. Ça vaut la fimo blanche. Fimo soft, oui, c'était ça, c'était les soft rouges. Pourquoi toi tu mets pas Fimo
Effect. Donc ça, je pense que c'est celle, elle fait blanche, mais je pense qu'elle fait un petit peu transparente. Encore une Effect. Elle est blanche avec des petits points noirs. On verra ce que ça donne comme effet. C'est de la folie. C'est de la folie. De la Fimo orange. La mauve. On dirait qu'on a plein aujourd'hui. Pourquoi tu ne tournes pas? Mais je filme. La rose. Et moi, j'ai le rouge. Le rouge petit pain. Oui. La bonne jaune. Jaune. Tu m'as fait un stock, c'est pas possible. Je sais pas quoi dire, je sais pas. Alors quand je t'ai dit, ben écoute, qu'est-ce que tu veux en échange, j'ai des gorgeuses, je suis pas convaincue que ça sera à la hauteur de ce que toi tu m'as envoyé. C'est pas possible, ça va, je te ferai des créations, bien sûr. C'est incroyable, incroyable. Les ciseaux. De la marron, de la noire. Je ne sais pas où sont les ciseaux. Je fais pause, je cherchais les ciseaux et sa tartine. Voilà, je suis revenue. Alors on continue la chasse au trésor. C'est Noël avant le. Alors, mamie, Fimo verte. En plus, un pack plus grand. De la chocolat. C'est joli cette couleur. Oh! Elle est superbe. Alors ici, je ne sais pas si vous allez la voir bleue, mais c'est... Moi, je la vois vert. Chacun voit un petit peu ce qui... La rouge. Vert bleu, quoi. Hop. Alors, encore des... Dis, t'as vidé ton scrap, c'est pas possible. C'est si j'ai des découpes, enfin, c'est pas des découpes, encore des petits embellissements comme ça. Je vois qu'est-ce que t'as aujourd'hui. C'est Noël, hein? On dirait que le Père Noël est passé. Oh, j'adore. J'adore cette image. Oh, avec un squelette. Elle est belle, hein? Et des fleurs. Et des squelettes. Ah, moi j'adore. Moi j'adore qu'est-ce qu'il y a. Dans Merry le Christmas. Ah ben voilà, Noël. Je vais tout trier. Je vais faire mes petits paquets. Je vais. Oh là 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 là. Franchement, tu as abusé. Je sais vraiment pas quoi dire. C'est. C'est de la folie, c'est de la folie. Fimo blanche. Moi j'adore à l'intérieur du pain. De la Fimo. Est-ce que c'est noir ou bleu marine? Qu'est-ce que tu penses? Bleu marine. Fimo et effect. Le rêve, c'est étoilé. Bleu. Stardust étoilé. Donc c'est bleu si marine. Les... Oui. Magnifique bleu. Oh là 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 là, Carica, tu as fait des folies. Oh, c'est beau ça. Non, je crois que c'est du tissu. C'est du tissu autocollant. Il est juste sublime. Oh là là, qu'il est beau. Attends, je vais montrer aux louloutes. Il est super beau. Hein? Et super tout doux. Et super tout doux. Je vais mettre ça, ça fait beaucoup de bruit à la caméra, ces papiers. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est incroyable, incroyable. On met ton mauve, violet. Violet. C'est... One, two, three, four. Alors, ici, j'ai une petite boîte. Oh, c'est une boîte d'une... Mais pourquoi tu me donnes tout ça? Je comprends pas. C'est des choses que tu n'aimes pas faire. C'est des choses que tu as reçues. C'est incroyable. C'est une petite théière.
thé. Ou on peut mettre ses sachets de thé. Moi aussi, j'ai ça en jouet. On va peut-être passer en jouet. Bah, t'as vu, moi, je reçois aussi des jouets. Oh, mon Dieu, je vois la fin du truc. Je vous dis, je vous raconte pas. Oh, elle m'a fait une petite crière. Okay. Une petite lotte d'enveloppe. En fait, moi, attends, je fais pause 2 minutes. Alors, ça, petite lotte d'enveloppe. Je vous montre. Voilà, on va défaire le petit nœud. Pour la bouquin, qu'elle a terminé par des petits cœurs. Oh, c'est mignon comme tout. Ça. Joli petit ruban vert. Donc, elle a terminé avec de la petite dentelle des deux côtés et une petite fleur. Alors, quand on l'ouvre, tu vois. Wow. Oh, j'ai une ATC. Oh, elle est belle. Elle est vraiment belle, ton ATC. Thème journée fleurie, faite le 6 novembre. La 1 sur 1. Ouais, il n'y a que pour moi. Faite par Carica. Regardez-moi cette ATC, comme elle est joyeuse. Voilà, c'est le mot qui me vient. Elle est joyeuse. C'est pour toi. C'est une superbe petite fleur que tu as là. Très, très, très jolie avec la petite perle. Oh, génial, génial. Regardez tout. Ah ben oui. Et elle m'a mis des autocollants gorgeous. Je ne sais pas si on aura assez en une demi-heure de vidéo. Attends, je mets les plastiques là. Elle m'a mis des gorgeous. Je vais celle-là avec ses notes de musique. Ben, je pense que le mot merci n'est pas assez fort. Comme disait Sylvie, colle tout partout, il faudrait en inventer un autre. Je ne le connais pas. C'est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Non, c'était pas Sylvie. C'est pas Sylvie qui avait dit ça. Allez, je vais revenir sur son nom tout de suite. Je vais revenir sur son nom tout de suite. Donc, on est reparti dans la Fimo. Vous n'allez plus rien voir parce que ça va faire une montagne de Fimo. Ouais. Très joli champagne. Une montagne de Fimo. C'est quoi une montagne? On dirait orange terre. Orange terre. Oh là là. Acrylic paint. Alors moi qui me lance dans le mixet média acrylic paint, je comme sais pas d'où ça vient. Média et Mediamart. Oui, Mediamart c'est un magasin. Alors je ne sais pas si on voit les. Où je peux vous donner le nom de la couleur. Le franc et bourgeois. Ah oui, ici c'est gris poussière. Gris poussière, poussière bleue, poussière bleue, désolé pour le bruit, hop, 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 hop. Poussière bleue, alors ici on a citron vert. What? Moi je crois que c'est citron jaune. Gris dauphin. Ah. Gris dauphin. Et améthyste. Ben, tu penses bien que ça va me servir. J'ai peur qu'après tu sois déçu, que ça te manque. Alors de la Fimo bleu roi. Oh, des petits bouts de dentelle rose. Très mignon. Attends, hein, Kathleen, parce que je crois que tu es moins bien mise que moi. Alors, ça a l'air chouette. Si j'ai des petites, des petits papiers colorés. Il y a un ananas, il y a des flocons. Mais est-ce que c'est
j'aimerais bien. Flocons magnifiques. Et du côté Mars. Je cherchais à voir ce qui était écrit. Bon, tout ça, c'est magnifique pour mettre dans un junk. Hein. Tous ces papiers, comme wow ça. Marqué des dessins. Du papier de pain, des sachets de pain. Tout ça, c'est précieux. Hein. Ouais. Donc, ici, c'est dans les roses. C'est pas si oui, c'est pas fini. Hein. Orange. Ici c'est rouge indien. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que ça plante? Alors, vert tropical. Vert tropical. Waouh! C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que je vois ici? Ah, génial! Ça fait la pâte de structure. C'est du filet d'orange ou de je ne sais pas quoi. C'est du filet. Et ça, c'est génial quand on fait du mixette média. Alors, je te remercie parce que figure-toi que je n'en avais point à la maison. Mais du coup, je vais pouvoir m'en servir parce que ça fait des effets terrible sur le mixette média, avec le mixette média, ça. Oh, regardez-moi ça comme c'est joli. Très, très jolie petite fleur en dentelle. Oh, les petits pois, moi j'adore les petits pois, plus petits. Rose. Petit pois, rose. Attends, je vais mettre le tissu avec le tissu. Ici. Lâche, mais lâche, sinon je ne sais pas montrer. Voilà encore les petites fleurs. Petit morceau de dentelle noire. Ici de la petite. Un morceau qui est tombé. Il y a un morceau qui est tombé. Ça va venir d'une petite robe de poupée peut-être. Ben voilà, ça c'est une autre partie, c'est la même. La même. Voilà, oh là là, ma garde. Moi aussi, je peux sortir. Voilà, ça oui, ça c'est toujours la même. Alors ici, un petit napperon. Et sachet de pain pour mes junk. Ça c'est terrible. J'ai trouvé quelque chose. Un tampon bois, étiquette. Ah bon. Donc j'ai plein de petits morceaux de dentelle. C'est joli, petite fleur, il y en a beaucoup. C'est bien. Attends, je vais sortir le tissu comme ça. Si j'y arrive, parce qu'il y en a de partout. Ça sort de partout. La dentelle rose, de la noire. Eh ben, ma chérie, Carica, tu as... Oh! Un truc papier, là. J'adore, tampon avec les petits mots. Oh, c'est génial. Alors, des lettres. De la Fimo. Fimo Effect. Alors, ouf, mais voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'était parti du sachet. Alors, j'ai un tampon Enjoy the Little Thing. Et couvert. You are so sweet. Sweet. You are so sweet. Sweet. Hop, oh, des couverts. Moi, je peux. On voulait inviter quelqu'un à manger. Cupcake. Attends, je mets des tampons par là. Oh, de la Fimo. Verte, fuchsia, wow, chocolat. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est un petit tampon de feuille. C'est très joli. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est très lourd, c'est une pierre, fatalement, qui a été travaillée. Nani, il y a quelque chose qui t'attend. Toute dorée. Une feuille. Un petit tampon feuille.
C'est très joli, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que ça va décorer ma scrap, ça. Attends, Kéké, parce que... Alors... Oh, voilà, tout ça c'est du papier pour faire du junk ou faire quelque chose en du papier de soie qui est juste magnifique. Paul, maison de qualité fondée en 1989. C'est génial ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'espère que ça va bien se voir. Cliquez 2 secondes, ma puce. Oh, il est beau. Oh, regardez-moi ce petit oiseau. Ça va faire décoration de Noël dans la maison, ça. Oh, ben je sais, encore une fois, je ne sais pas comment te remercier. Des petits tampons. Kéké, attends que je vais poser des papiers. Donc ici, j'ai des sachets de pain. J'ai... Oh, ils sont beaux, ces sachets de pain. Ils sont très, très beaux, ces sachets de pain. Magnifique. Des petites ceintures de princesse. Aux 3 évêchés. Regardez-moi ça. J'adore. C'est génial. Franchement, ça, c'est un trésor. Donc, de la dentelle. Attends, tu permets un plus. What? Voilà, on arrive à la fin de la boîte. Avec, hop là, les sachets de pain, toujours. Mamie? Enfin, je dis de pain, il y a peut-être d'autres choses. Hein. Maison de colle. Mamie? Papier de soie. De, attends, Kathleen, du filet. Alors, des petits tampons. On en a encore. Fait main. Trop génial, je n'ai pas ça. La lettre F. La lettre M, la lettre S. Oui, voilà, j'ai plusieurs lettres. Ici, la Fimo bleu nuit. Bleu nuit. Bleu nuit. Je crois pas que tu as là. Oh, encore une jolie pierre. Je ne sais pas ce que tu me diras en commentaire, mais moi j'adore la toucher aussi. Je trouve ça vraiment agréable. Oh, encore une toute petite. Peut-être qu'elle est décollée sur l'autre. Vous savez que ça c'est des petites pièces comme ça. Ça donne très dans une créa Mixed Media. Ça, c'est les lettres. Alors. Ah oui, j'ai compris. Tampon qui va avec. Voilà. Je crois qu'on est au bout. Ah, petite fleur. Qui restait. Attends, plus. Je laisse Nani regarder. Oh, ben voilà. Toutes les petites lettres. Donc, tu me laisses regarder. Il n'y a plus. C'est bon. Il y a un 4. Enfin, pour les lettres, les 8. Bon, Carica, je sais, encore une fois, j'ai pas de mots pour te dire l'émerveillement que j'ai en découvrant ton colis. C'est extraordinaire, tu m'as plus que gâtée. Je ne suis pas certaine de pouvoir faire autant. Enfin non, je ne saurais pas faire autant en retour, mais je vais quand même mettre la boîte là. Je vais en tout cas me faire un grand plaisir à te faire une ou deux créations, à t'envoyer les tampons gorgeous que... tampon gorgeuse que je t'ai promis. Et voilà, c'est juste magnifique. J'ai vraiment de quoi travailler avec la pâte polymère. J'avoue que j'ai pas fait grand chose cette semaine et je ne sais pas comment se passera la semaine prochaine avec Kathleen. Elle va voir le médecin lundi. Je pensais que c'était mercredi, mais c'est lundi pour finir. Donc on aura des nouvelles un peu plus précises lundi, si je la reprends la semaine ou pas. Quand elle est là, évidemment, je suis un petit peu coincée. Vous avez vu qu'elle est adorable, mais que bon, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on l'écoute. Elle a toujours quelque chose à dire. Voilà. Attends, tu me diras dans l'oreille quand j'ai fini. Je sais que cette vidéo est un peu longue, mais comment faire pour vous montrer toutes ces merveilles?
Je vais bien m'amuser, je vais voir faire plein de choses. Encore une fois, merci, 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 Carica. C'est énorme ce que tu as fait. Et voilà, je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Et encore merci. Bisous.